Bah, je respecte, bah, je tout le monde, c'est plaisir, vraiment, qu'elle s'en remet. Donc, je vais te demander comment la rue a eu ton matin. Et si vous, température, tout bagarre, il y a une chance pour le normal, le bien matin, je n'ai déjà démarré normal, en plus, côté nous passer, mon lieu commence à bouger dans l'activité, c'est toujours Petionville, nous devons chaque matin, majorité fois, mais dans Petionville, matin, tout bagarre, normal, nous t'es, sorti depuis nous acheter de l'eau, qui t'es acheté de l'eau, dans Pelonien, nous descendons dans Petionville, côté tout bagarre, normal, marché Cocoyac, marché Télé, route Frère, tout bagarre, normal, de matin, nous voulons gros, SOS, TPTC, avec fonds entretien routier, recommande avoir réparé quelques tronçons route qui sont très importants. Puisque c'est juste tout débouché compté d'un route frère, action centrale n'a pas de même, l'écrasé en pile, mais important pour TPTC, font passer maintenant dans un zone. Mais ceux qui ont vu le Padelma jusqu'à Delma B, toute bagaille normale, mais sauf que là, ils ont fait aviation, faut commencer à mettre le contrôle. Il pas conseillé pour aller à Foua Aviation s'ils ont fait ce jour, et même elle fait juste avec gros contrôle, vous rentrez dans une salle. C'est pour ça que nous avons demandé la police, c'était un PF avec un gros d'accord de Foua Aviation, avec une station Echla, pour que nous avons fait jouer le milieu, par un pile problème dans une salle. Mais à part ça, nous avons dit qu'il y a des petites machines qui commencent à mettre à terre, en face par le Maïtien, des petites machines qui ont débarqué, et là, nous avons côté ancien ambassade américaine TIA, eh bien, il n'y a pas de mal, il y a la police qui a monté dans une zone. Mais zone parquet, zone septimo, zone ça aussi avec gros contrôle pour y passer et nous déconseiller au passé matin bonnet et même à passer matin et devant jour, ça mettait un peu de contrôle dans la zone ça. Mais des machines qui sortent dans le sud pays qui partent chez nous, deuxième, troisième, quatrième avenue sans problème, et bien c'est pour ça matin, un visage pour ça, il est au gagne, le diacre, département sud là, à sud-est, département nip, content d'entrer Port-au-Prince. Et nous avons plusieurs machines qui ont chargé tout dans Port-au-Prince pour aller dans le département de Sayo. Maintenant, on a porté les organes, il y a un petit bus qui a chargé dans la station Jacques Mel là pour aller et Jacques Mel, bus qui a chargé et dans la zone Matissan du A pour aller dans en Savo, dans Nip, et des machines qui ont chargé et sous Gaï pour aller et Jérémy, dans Zabens, la Camoin, et des machines qui ont chargé et pour aller dans Fontana à Cafou. C'est l'image pour taille d'organe qui est déjà embouteillé matin. Et même quand ce petit carrefour Marianne Gressier, nous conseillons de prendre bonnet pour ne pas bloquer le blocus matissant. Parce que c'est juste là, il a commencé de tout le monde faire une colle. Ce petit Petionville, pas bouton, tout le bagage normal. Et le petit monsieur, comme c'est chargé de descendre de Port-au-Prince, la canapé vert et deux bourses, tout le bagage normal. Et bien, machine qui a chargé deux bourses pour monter. Et non, Petionville, machine tout qui a chargé. Et dans deux bourses pour descendre la ville, machine qui a chargé Petionville pour passer par canapé vert. Maintenant, bonnet à 3h15, c'est pour nous côté de descendre, nous descendons le canapé vert. Et nous sommes montés, nous sommes 4h40, pour nous regarder bonnet, si Petionville est toujours ok. Et bien, maintenant, 4h4 là, nous montons, nous descendons, mais nous sommes toujours sec et bien sec, ou que le matin, sans problème, avec PF là, lui-même qui a été viré dans le monde. Et pas bien, nous avons gros PF qui nous a rentré, et nous avons deux policiers qui sont toujours là, même 24 sur 24, ça pourrait commencer à être dans Petionville. La route nationale numéro 1, en fait, d'agrément normal, puisque dans le carrefour canarin, la machine déjà a commencé à charger. Mais on a déconseillé les gens qui ont fait marcher dans le carrefour canarin. Mais pas bon même, puisque si bien voir que nous sommes victimes, et nous déconseillons les gens qui ont sauté de la rue, les très fragiles. Route 9 là, matin, en tension normale, machine passée, et la route 9 qui passe jusqu'à ce soleil, descend dans le centre-ville là, et nous avons des petits bus qui ont chargé. Et pour qu'on arrive dans une zone d'Elmadé, plusieurs petits bus, nous devons rentrer dans une zone sale. Et pas oublier, d'Elmadé tout, on a des machines qui passent dans d'Elmadé, machines qui ont débloqué, qui ne sont pas d'Elmadé, qui arrivent au Madocolo, mais accès sans fil là, zone qui a beaucoup débloqué. Accès fil là, qui est très important, et c'est une cause qui cause un gros blocus dans la ville de Chajou, puisque c'est la machine qui a débloqué, machine Clefine, machine Delon, machine Nazon, machine Gaba passé, accès à Poco qui a débloqué, et puisque dans Carrefour, sans que zone pour de bâtir, nous constatons que nous avons pas grave et nous avons pris la machine à foutre et l'accès a encore bloqué, la machine n'a pas passé en face basse égarée et bon, c'est une archive, elle est encore bloquée. Nous avons déjà dit bloquer ça, c'est pas l'ordre politique, c'est à cause de plusieurs quartiers qui ont bloqué le cordon dans la ville là, quartier de l'air en face d'Elmadé, en face caché du feu. Et gagner tout, Delma 4, Delma 6, donc ça y est, qui est en bout de la chaîne, donc cause situation très difficile, et ça a causé gros embouteillage dans la ville-là. Alors que les zones sociales-là, qui sont gros débouchés tout, mais ça va empêcher les machines de passer par Solino, de vivre et de
et poste machin, il est passé par souffle national, il est fait dans cette ville-là. Tout petit débouché, ça a compté, mais c'est gros blocus comme une activité. Eh bien, comment ça y est dans 43-29-67-40 là? Vous avez dit, vous voyez bien, j'ai dans le premier occasion en 43-29-67-40. Il y a une immigration tabac qui m'a dit tout le monde qui a des passeports depuis 3 mois dans l'immigration tabac pour passer et réclamer passeport ça y est. Et tout le monde qui dépose passeport, qui vient plus passer 2 mois pour passer et réclamer passeport dans l'immigration tabac. Habitant passe Michel, à 33, pardon, m'a dit aider à ce capable de gérer les questions transformateurs qui pas bon même dans une femme, de rendre vous capable de gérer la situation de la Kaukatou. C'est à cause de population employée, à cause de l'équipe volée capable de rendre dans un homme, de rendre pour la police capable de faire virer dans un parcours, il y a un élève qui m'a dit FME pour capable de faire avec situation sanitaire, l'école qui pas bon même, l'école n'est pas propre même, toilette qui pas bon du tout, de rendre pour capable de gérer la question ça, qui est une classe difficile dans un l'école. Et puis, dans 49, 67, 40, là, il y a habitant Canadien, qui m'a dit, mais il peut pas qui côté pour j'étais pas là, parce qu'il y a une majorité poubelle qui sont ça. Il y avait Union School, il y a retiré poubelle là. Devant l'hôpital Juvenal, il y a retiré poubelle là. Bon, si Mathieu Juvenal, il y a retiré poubelle là. Devant les stations de Bosta, il y a retiré poubelle là. Population canadienne a demandé, mais il peut pas qui côté là, j'étais pas là. Ce cabinet, c'est là où vous passer. C'est une situation qui est difficile pour mon canadien, mais moment m'a parlé avant là. Élève 9e année fondamentale lycée Horatius Laventure, par le ministère de l'Éducation nationale, capable de gérer l'irrégularité qui est dans l'examen 9e année fondamentale année, c'est à cause d'un petit pas complet. Il y a plusieurs policiers qui ont BI dans une métropolitaine, qui ont des nouveaux directeurs logistiques là, marcher, visiter tout commissariat dans une métropolitaine, nous avons des problèmes, spécialement sous fort, grand pick-up, qui n'a jamais été le bien, et puis dans Port-au-Prince, sachez qu'on a quitté ça, zéro qui a gagné, parce qu'on a géré les yo dans une condition qui est normale. Les contractuels n'ont pas le maïsien qui m'ont dit qu'on payer yo plusieurs mois de travail, les employés disent que ce sont des directeurs qui a mis plus de conditions pour le travail, plus de conditions, et puisque la situation n'est pas trop bonne, et dit qu'il y a des gens Jean-Label qui est en moyenne pour gaz là, qui n'est pas monté, alors que le chauffeur du sur passait de 650 gouttes à 1000 gouttes, il y a demandé pour l'autorité, il y a une question ça. Il y a des gens qui m'ont dit, justice a dit un mot avec le tribunal Nibaléa, qui a 20 dynamite avec nos mamites, il y a demandé pour résoudre cette situation ça. Il y a des habitants de papa qui dénonçaient une série de jeunes garçons, qui se sont dit, soleil, Delma, Delma, la saline, ils sont des belles fontaines, ils viennent que l'on gourgonne dans un autre papa, mais 400 marozos, chaque marozo, une situation qui est difficile pour croire des bouquets, à respirer, mon n'a pas taille, je m'en dis pour la police, qui va prendre contrôle de la situation, ça, qui presque tourne même Jacques dans la ville, même Jacques village de Dieu. Il y a habitants Bel-Est, zone Sophie, zone Delmadé, zone Delmacal, zone Saint-Martin, qui m'a dit, les gars, amis, baillons une chance, tout ça va passer, ils ont bouffé de nouvelles, mais pas oublié, ils sont engagés, ils ont la police en 114-114, pas bien rimé. Et ça, en boulanger national, 4916. Et puis, pour tout problème de l'eau, nous passons 59-59. Déjà, bonne journée. Non, moi, c'est Mackinson Rémy. Bonne journée à vous-même, toi, Mackinson Rémy, et tout le monde qui était à bord 4x4 là, matin, pour faire voyager ça à travers la capitale là, et qui va nous ont idée sur comment Port-au-Prince réveiller pour matin, c'est gros casse-tête, hein, pour monde qui est obligé de prendre la rue en dernier jour, ça y est, monde qui a rentré et quitter la caillou, surtout dans l'heure de pointure à cause blocus là, qui persistait, mais Mackinson Rémy dit nous, il y en a une raison qui vient pour avec le blocus ça, c'est le fait que chauffeur à éviter une série zone Delma 2 1 Mounio recommencer passer chauffeur recommencer passer et espérer ouverture ça les réduit sous blocus n'a pas assisté avec les depuis quelques jours là sous capitale là du fait que chauffeur a évité une série zone côté insécurité à faire rage d'un coup n'a pas assisté ça dans sud capitale là dans l'entrée et sortie sud capitale là côté chauffeur a évité zone bicentenaire et tout chauffeur yo dirigé yo dans zone avenue Bolosta et là encore gagné un gros blocus nous parlons tout ça avec Jean-Georges Blaise tout à l'heure il y a différents raccoins zone métropolitaine zone métropolitaine pour le restant c'est gros blocus depuis quelques jours après activité au téfine reprennent après période pays local mais juste avant hein et guerrier nous venir avec Jean-Georges Blaise gagné direction circulation à police
service routier là qui annoncé à partir et note ça qui se dit hier il y a campé sous autorisation pour mon tété vite machine donc il y a campé sous pour bail de l'autre autorisation mais ça pas veut dire que ça moun yo te gagne pas valable. Ouais, parce que nous, si une décision, ça te fait pile, pas l'empile, et ça va gagner longtemps. Ça veut dire, il n'y a pas campé sous émission, autorisation de teinte, véhicule, yo, suspendu. Donc, c'est ça qui y a pas bail de nouvelles, autorisation, mais autorisation qui, là, yo, toujours, quimbé sous mon autorisation valable dans le monde. Donc, je l'ai toujours quimbé, hein. Et pour nous pas comprendre, pas confondre avec que pas bail de nouvelles autorisation pour monde capable c'est teinter machine. Donc pour son décision responsable bio prend et dans courant journée hier là puisque on était parlé et dans journal hier matin avec directeur service circulation donc il pas été annoncé une disposition ça mais nous voulons quoi c'est une disposition qui vient pour non objectif pour combattre la question de sécurité parce qu'en pile fois l'on a décidé ça aussi l'insécurité à les monter. Oui, c'est possible parce qu'il y a plusieurs explications à ils ont ça que nous ne pas voulu à l'entrée dans l'interprétation et mais bon même j'ai des monde qui me prend vite tête assez pour capable protéger lui. Hein? Et puis il y a des bandits qui ont même profité de TTA pour cacher dans la machine yo, donc passer sur la police pour le power donc c'est on bien on mal. Donc n'a pas un porte-parole police nationale avec nous tout à l'heure peut-être n'a abordé point ça à qui concernant blocus n'a pas assisté depuis quelques jours là et surtout après période de pays local dans différents raccoins zones métropolitaines et Jean-Georges Bèze penché pour nous sur le dossier ça. Donc, toujours, il y a un climat à la pérèse dans la rue à cause du phénomène d'insécurité, surtout en bas de la ville d'à côté, tout le monde obligé et prudent. Reportage Jean-Georges Bèze. Sorti dans l'entrée sud capitale là, pour tomber sous Grand Ria à Claude Coin dans zone métropolitaine là, y a un véritable blocus, manche longue constaté, presque tout partout dans la Ria. En haut pas descendre, ni en bas pas monter, avec machine qui était campée pendant un bon bout de temps. Pour journée, côté en pile monde, semblait qu'il y a une difficulté pour brasser la Ria à cause phénomène ça, qui passe en conséquence. Qui ça qui est à la cause, gros blocus ça, qui a pris pied dans le moment côté, fête fin d'année avancée à grand pas. En tout cas, citoyen en capitale là, là dans le chauffeur transport. Te répondre comme ça. Quand on parle dans le studio, c'est en bas boulevard la Saline pour sortir du 7 mai, on va passer. Tout net, c'est voir quand on est là, on va pointer là. C'est une raison qui cause bloqué ça. Ça a un handicap activé, non? Évidemment. Le handicap activé, c'est là où on est venu, est bloqué. Il n'y a pas un contrôle centre-ville, il n'y a pas venu. Après, ouvrir et boire théâtre là, et puis, t'as tout notre truc bloqué net avec gloire avec Fatra, oui. Je suis passé tout du 7 mai, je suis sorti juste Richard Mas, et pourtant, je suis monté à Logan parce que je suis un côté pour tout travers ce que tu as passé, Richard Héron. Et Richard Héron, tout bloqué net avec Fatra. Yon blocus tête chargé qui recommencé quelques jours après opération pays lock là. Côté presque toute activité reprend, même là, en yon pour qu'on finisse trop clair dans le climat politique là, qui était encore fragile. D'ailleurs, toujours gué couru à terre en bas la ville là, à cause 20 insécurité à qui fait tout le monde sous tension. Jusqu'à présent. Tout le monde sous semaine, ça va se à n'importe quel moment, n'importe si bien, tout le monde s'est couru ramasser, c'est bon, bah, comme si vous avez. Toujours bien couru? Jusqu'à présent, même il n'y a pas janté hier, mais jusqu'à présent, tout le monde s'est sous semaine. Si vous avez une stabilité politique, c'est mon gouvernement. Comme je suis un petit peu de trois, je suis venu là, je suis un police cafétéria avec Saint-Joseph passé dans le grand rial. Donc c'est plus grand inquiétude, non? Oui, c'est plus grand inquiétude, c'est insécurité qui est plus grand inquiétude, non? Et puis, vous êtes chargé, c'est marché quoi beau sale là, qui beaucoup qu'apprend jusqu'à maintenant côté en pile ti machin obligé à planter piquette à terre sous grand ria à Claude Coin dans zone métropolitaine là. Tout ça pas innocent dans phénomène blocus là d'après ti commerçant yo qui continue à demander la police pour faire un jan dans bataille pour faire la paix et sécurité tout n'est dans bord mer pour la centrale dis un mot pour nous parce que nous livre à nous mêmes qui côté kounien on va regarder pour eux sous wap Jérémy gon bande contrainer car qui pour débarquer pour venir dans marché hein nego fermer contrainer ça yo marchand yo a gâté en dans contrainer oui on nego camper dans station Inchlan et puis il y a six mes coups de balle dans marché hein patrouille fixe camper dans station Inchlan
yon kampe nan aviation et puis la paix établie. Cause insécurité a gagné surtout qu'a fait la loi tout partout, rete en tout cas, puis gote chargé moun yo, principalement commerçant ba la ville qui déjà demandé qui gens sa pralier pendant période fête là. Est-ce que opération toile d'araignée la police là a privé atterri village de Dieu bicentenaire, rivé percer tout reste barricade qui était campé jusqu'à présent dans Platon Belair, ça qui c'était en tout cas, les difficiles pour population pas découvrir pour petit deux cadavres à terre sous pilfatra dans la rue Port-au-Prince. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci en pile, Jean-Georges Blaise. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle mettait dehors un calendrier scolaire remanié, un nouveau calendrier pour année l'école là à cause de majorité l'école yo en grande ville yo surtout pas fonctionner pendant opération au pays l'Occident. Cependant Pierre Josué Agenor Cadet précisé ancien calendrier toujours quimbé pour toute l'école qui t'a fait fonctionner yo d'après calendrier remanié ben élève yo a pas gagné pour passer 147 jours classe, il y a bien pour composer pendant trois périodes. Quelle disposition sécurité qui est déjà prise en pire au niveau de l'État à travers le plan national sécurité pour permettre l'école de l'ouvrir et quelques autres quartiers qui pour que jamais capable d'ouvrir d'après Pierre Josué Agenor Cadet, Réginald Rémy. Après plusieurs semaines de travail entre responsables techniques, directeurs plusieurs départements dans le ministère d'éducation nationale et formation professionnelle, finalement, il y a un nouveau calendrier scolaire qui mettait d'ailleurs. Calendrier modifié ça concernait seulement l'école qui pas fonctionnait pendant plusieurs mois à cause de troubles politiques. Le ministère d'éducation nationale et formation professionnelle là, toutefois précisé, trois dates qui pas modifiées dans deux calendriers ça y est. Après vacances, fin d'année là, l'école a prévu le 7 janvier pour tout le monde, qui tient mon qui pas campé, qui tient mon qui était campé, et nous avons date pour inscription dans examen d'état, yo, date pour déposer pièce si moun yo pour formation de classe pour décision de fin d'année tout ça yo yo même yo là pour tout le monde et en même temps tout vrai date qui est pour tout le monde non c'est date examen d'état yo parce que toute l'école net quel que soit l'été campé ou pas campé et bien yo tout c'est même là y a proposé mais pour permettre tout le monde même égalité de chance l'examen ça yo c'est ça que fait nous venir avec un calendrier réaménager qui concernait toute l'école qui va capable poursuivre activité scolaire. D'après calendrier réaménagé, élève a bien pour composer pendant trois contrôles, directrice enseignement fondamental là, Nadine Henry profite souligner quelques dates importantes dans calendrier si là. Du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2020, tout responsable école doit déposer liste de formation de classe. Du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2020, dépôt formulaire d'inscription aux examens d'État. Du 13 au 24 janvier 2020, inscription au bac permanent, première session. Du 13 janvier au 14 février 2020, inscription aux examens d'État pour 2019-2020. 3 avril 2020, c'est journée spéciale enquête. Du 19 au 29 mai 2020, inscription au bac permanent, deuxième session. Numéro 1 ministère éducation nationale et formation professionnelle là. Cependant, quoi pas gué aucun problème si certaines écoles t'a convoqué élèves yo pendant jour congé yo pour permettre yo rattraper tant yo perdu pendant plusieurs mois. L'école yo tout yo gué liberté partout. Même là nous maintenant ministère nous ba un calendrier réaménager, mais l'école là tout capable planifier les bagages pour faire tant que jour de congé yo, li capable expatrier s'il veut. Les week-ends, les capables d'exploiter aussi, le même si c'est tout à l'année, mais le capable quelques jours juste pour combler quelques lacunes, si le capable gagne, et puis quelques coups de rattrapage, tout capable de faire, en week-end ou dans les jours de congé. Si l'activité scolaire reprend dans la zone métropolitaine Port-au-Prince-Lens, il y a quelques départements qui ont été paralysés. Pierre Josué Agenor Cadet fait connaître un plan national sécurité qui déjà mettait campé dans le pire niveau de l'État pour assurer sécurité à la reprise d'activité dans l'école Sayo. Il profitait d'énoncer yon série pratique quelques groupes à utiliser pour forcer l'école Sayo à relouvrir Potio. On saisit l'occasion pour nous remercier toute communauté éducative là. Problème de sécurité là. D'après tout ce qu'on fait avec responsable l'école, yo, association parents yo, et même si mon école yo, c'est problème de sécurité au gars. Avec tout des mouns qui ont comportement médiéval, qui a badigeonné l'école avec matière vécale, qui a voyé différents dans l'école. Et tout récemment, dans Pétionville, et dans, c'est lundi dernier, donc, côté à l'attaquer à l'école, mais heureusement,
La police est déjà présente. Le gouvernement, en pile d'un côté fait, il mettait sous pied un plan national de sécurité. Dans la capitale, la ville de profession, nous avons la présence de la police, contrairement à la semaine avant. Malgré l'activité scolaire, ils reprennent spécialement dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Le contexte politique là a toujours été fragile. Jusqu'à présent, en pile élèves continuent à l'école en civil, quelques les autres toujours été fermés, spécialement dans Gonaïve, à cause de troubles politiques qui gagnent dans plusieurs communes, dans le département de la Tibonite là. Reginald Rémy, Caraïbe FM. Yon première réaction guerrier sous nouveau calendrier scolaire ministère éducation nationale là, c'est dans parlement, président commission éducation, chambre députée, à qui tel Jean-Philippe félicité ministère éducation nationale qui passe maintenant calendrier scolaire ça pour faciliter l'école la boucler année. Cependant, député Jacques Pellan fait qu'on a un nouveau calendrier sans risquer pas réussi si autorité l'État yo pas prendre disposition pour établir sécurité dans tout recoin, tout quartier dans le pays. Côté, dit après ça, il voulait un côté député Ketel Jean-Philippe était à micro ou Wenchel Adrien. Effectivement, nous avons gardé nouveau calendrier à environ 147 jours de classe. Alors, faut nous comprendre que les techniques planification, les techniques ensemble de dispositions pour Timon eux-mêmes. Si à l'école, coupure ça, elle est venue, normalement, elle est ralentie. Mais ça qui est important, quand il y a sorti, mais faut gagner des mesures d'accompagnement, faut gagner, normalement, on calme, faut gagner la peine à payer, hein, pour conditions, enseignement, apprentissage, les réunis. Si Timon a lui-même, il peut, les passants, il est à l'aise, environnement, les passants, il est dans la sécurité là-dedans, il peut pas apprendre. Donc, sorti calendrier, il dit, nous va récupérer 147 jours. Pas aucun problème. Mais ça qui est important, faut gagner sécurité. Faut gagner, normalement, faut gagner la peine à payer, hein, pour que, Timon a même nos conditions pour avoir. Par rapport avec contexte politique là, est-ce qu'on estime que pouvoir en place là gagne moyen politique là pour bailler sécurité et faciliter à ce que Timon a une inquiétude pour être capable de finir avec l'année scolaire là? Bon, l'État là pour garantir la paix et sécurité tout citoyen. Donc, je l'ai fait à la mission. Donc, Timon a retiré quoi? Par rapport avec ça, qu'on responsabilité au gain, faut qu'on responsabilité ça, on mettait dans l'application, faut exécuter, on répond à la responsabilité ça. Donc, ça qui est important, il y a une logique qui vient de l'école qui fonctionnait, et puis l'école qui a des zones, parce que mon pas qu'à dans la zone, ça va, l'école pas fonctionner. On a continué à créer plus de discrimination, plus d'inégalité, côté à bien monde qui m'est formé, monde qui est mal formé. Donc, pour nous aller dans la logique, pour nous construire une seule école ou une seule société, donc par rapport à ça, que gagner des mesures qui prend aussi vite que possible pour, conditions réunies pour si on retourne à l'école, je s'attire avant ou bien, dans de meilleures conditions. C'est l'État qui l'a pour responsabilité, qui l'État a pour responsabilité. D'abord, pas supposer qu'il y ait un côté dans le pays pour le monde pas aller. Ça a montré défaillance ou bien effondrement d'État, ça a montré incapacité de diriger. Par rapport à ça, l'important pour gagner des mesures qui prennent pour rapidement gagner des corrections qui portent. Donc, ça qui est important pour nous dire tout, n'est pas logique pour nous qu'on est l'école à l'école à l'ouvrir, nous dit 147 jours, alors que 147 jours, c'est pour un groupe élève lié, pas pour tout élève. 147 jours, il est pour tout haïtien, il est pour tout élève, il est pour tout le monde qui va aller à l'école. Donc, nouveau calendrier, ça pour vous, il n'est pas équitable. Alors, si calendrier, il n'est pas gagné, j'aime dire, des mesures d'accompagnement, côté l'État, il est présent, côté gagné, normalement, la peine à payer pour nous avancer, donc, côté gagné, autorité de l'État, donc, c'est la rémunération. Donc, l'État n'a pas un contrôle en rien. Donc, pendant que l'État n'a pas un contrôle en rien, il n'est pas capable de gagner. Que même l'État ça lui-même, il n'a pas contrôlé aucune situation, il prend des mesures pour dire que tout le monde a été mis à l'école, il a garanti que juste à le respecter. Donc, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement et il faut que nous allions vers la restauration de l'autorité de l'État. Donc, même si il y a un nouveau calendrier, ça n'a pas garanti effectivement que le calendrier soit respecté. Non, ça n'a pas garanti que le calendrier soit respecté. C'est vrai, il prend. Si pas gagner des mesures qu'il prend, si pas gagner la peine en pays, nous ne sommes pas capables de dire que le calendrier ça, il va respecter. Député Ketel Jean-Philippe Bouche l'ouvrit entre un groupe parents élèves collège Saint-Martial Port-au-Prince direction l'école là mandé yo pour pita 20 décembre nan pour yo taper pour pita 20 décembre nan deuxième tranche frais scolaire Timounio qui passé environ 3 mois sa yo pat présent dans salle classe yo parents élèves yo qui quoi exigence ça tant coup injustice yo ouais tant coup injustice exigence direction l'école là mandé direction l'école ça pour comprendre situation économique difficile parents yo en côté quelques parents dans micro Caraïbes FM.
nous même parents, à partir de demain, si Dieu veut, n'a vidi, même gentil mounion bral chita dans Saint-Marcel pour expliquer nous sous qui base, sous qui critère vous voulez que nous payons comme que. Et puis le pays au bon date ou exigeons. Alors, on dit le 20 décembre, si nous ne pouvons pas décobler, quel est le petit mounion là? Bon, moi-même, Samuel m'a dit, c'est pour moi que vous que l'école là soit une note rectificative. C'est pour rectifier ça, vous faire. Ça, vous faire mal en pile, parce que vous avez un papier, vous avez un petit mounion, vous avez un petit mounion, nous. Je pas faire qu'une réunion ensemble avec nous. Imaginez, on pile l'école, faire réunion à parents, vous chita parler, vous prendre qui décision y a prend. Père y a pas prendre qu'une décision, dans les prend papier, livre et nous pour nous payer l'école. Moi, ça m'a voué, dit père, côté nous venons là, y a ça pendant payer à tes locs là. Et qui ça, Timoun, y a été consommé pour premier versement? Moi-même, Timoun, dans la première année, m'a premier versement 19 650 moules. Depuis 14 mars, moi, bah, il dit. Alors, on va en criminalité, mais il y a des gens qui ont été sous comme l'école là. Oui, il y a des gens qui ont été sous comme l'école. Ça, c'est le quotidien. Nous, tout le monde, on ne souhaite pour personne que l'école en Haïti, chaque année, vous montez comme là, j'ai oublié. En combien? Le pire, si vous n'allez pas à l'école là, chaque année, vous faut payer entrer l'école là. Pendant que si vous n'allez pas là, c'est comme si chaque année, il réentrait dans l'école là. Il y a un secret pour tout le monde. D'ailleurs, yo dit ça, yo pas l'école qui piche ou pas capable aller. Qui donc yo pas fait l'école là pour classe moun tan pour nous. C'est juste ou pas capable aller. Yo dit le 20, ou pas capable le 20 quitter si bon la caou et bien pour c'est tout et bien la vie continue. Et ben père n'a pas parler, père prêcher par bon Dieu. Oui, père prêcher bon, ça prêcher conscientisation. Merci beaucoup, mais vraiment merci beaucoup. Nous souhaiter revendication de satisfait et continuer mobiliser pour nous joindre et à direction pour prendre des décisions qui aller dans sens et compréhension. Et logique là, ça veut dire, ça fait 3 mois là, pays bloqué, c'est vrai que l'école a besoin de moyens pour fonctionner, mais il faut regarder ça ensemble avec parents. Voilà, quelques parents, réactions, parents, ça y est, pas résoudre problème, non, d'après responsable direction collège, petit séminaire collège de Saint-Marcel, là, père Isaac Ojo, qui n'est pas voulu faire aucune déclaration enregistrée, lui, il m'a dit parents, pour plus compréhension, hein, bon, côté parents, directeur général, établissement scolaire, s'il a rappelé parents, obligation, direction, lui-même, gagné, pour professeur, avec personnel, l'école, là, père Isaac Ojo, souligné, collège Saint-Martial, pas jamais envoyé aucun élève l'école là, retourner la caillou parce que Yodoré, li étape pas pi bon pour rejoindre une entente avec direction, une façon pour établir un nouveau calendrier pour élève l'école, pour capable payer l'école là, d'après directeur secondaire, section secondaire, petit séminaire collège Saint-Martial. On a appelé l'école qu'on organise, les jeunes en partie, support l'État, donc qui en pile là, yo. Majorité n'a pas subventionné. Et yon parent qui en direct à nous, qui dit même te vle attirer attention nous sur yon cas. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde, capitaine de Lyon. C'est un cas, mon bel bien installé, mon bel bien faire connaître qui parle ta vie dans le genre de cas. Parce que. Allô? Oui, vous m'êtes parlé. Parce que moi, j'ai aussi une cachette première année au Géant-Glade. Et même si moi, je suis venu à l'école, je suis venu à l'école lundi. 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 Dans l'école lundi. Dans cette semaine-là, je suis venu à l'école lundi pour me passer dans l'économie. Je suis venu à l'école lundi et je me connais pour me payer. Nous, moi, octobre, mois de novembre. Alors, je me connais qui ça qui mon premier année fondamentale, ça, qui prolonge mon bras le faire pour lui, comme si pour rattraper tout, si je vais dans l'auto, si je vais dans le kilomètre, qui ça vient avec ça, parce que vous trouvez que c'est injuste. Tout le monde a un problème, tout le monde a un calamité, il faut qu'on ait pour payer comme là. Et si on ne paye pas comme là, on va protester, il y a des gens qui sont dans l'école là. Moi, je ne parle pas de qui ça les a dit avec parents qui ont suivi thème ça, que infligez nous là, parce qu'on véritable torture que rien pour nous-mêmes parents qui ont parce que nous mettons tout le monde dans l'école. Nous-mêmes, nous plusieurs parents dans l'école où j'ai en grâce. C'est pas accepté à ça, donc ils ont exigé nous que vous nous payez l'école. Par exemple, on a une instance concernée qui dit on y a ce genre de bagaille.
Merci en pile, madame, parce que message en pile, hein, et c'est plusieurs parents qui apparaissent l'aime de temps en temps pour exprimer ras-le-bol concernant la situation. Ça, madame, nous demandons qui ça l'état dit avant de venir avec le ministre de l'Éducation nationale. Là, on a regardé qui ça, association parents, il y a dit sous ça, il y a union parents et élèves pour réussir ça ici. Il y a UPEP qui dénonçait certains dirigeants, certains responsables d'école privée, il a dit qu'il a déjà commencé à exiger parents yo pour venir payer l'école alors que yo à peine ou l'ouvrir porte yo lui peut demander pour autorité yo dans la police la prend toutes dispositions nécessaires pour désarmer et puis sécuriser zone défavorisée en manière pour faciliter tout le monde qui vivent dans quartier ça yo retourner à l'école. Reportage Gerline Maurice. Après plus passé 3 mois fermé, l'école là finalement relouvrit timidement. Yon réouverti qui pas total. Parce que jusqu'à présent, élèves yo c'est en civil yo obligé à l'école, sans compter c'est seulement qu'un grand établissement qui recommence travail. Cependant, certains dirigeants l'école privée t'a semblé pas perdre du temps pour commencer réclamer l'argent dans mes parents yo. Yon situation qui levait plume sous deux responsables Union parents élèves progressistes haïtiens yo qui dénonçait attitude ça qui selon ça yo dit montrer à clair dirigeant l'école yo pas prendre en considération problème parent yo dans sens ça yo souhaiter tout dirigeant l'école privée pour joindre yo entente avec parents élèves yo manière pour diminuer montant yo ta doué payer pour année a parent même dans lycée fimé go professeur que moi joindre puis dit l'école là qui t'envoyer au papier balé pour jouer $210 américains sans quoi le mettre qui était petit la caille donc c'est ça fait une lancer appel ça ba directeur l'école yo au moins font geste de solidarité avec parent yo ouais problème parent yo parce que li pas sans savoir en pile monde perd du travail yo bizi se fermer machine qui t'a dégagé la ville la connait c'est pour pas mais qui prend l'otage donc ça veut faire comprendre situation donc ça veut dire parent pas capable à moi alors là à pauvre yo faut dire que l'école yo comprend situation tout et je nous entente à élève yo parce que parents yo c'est coéducateur dans système là c'est nous une qui besoin l'autre quelle grande école recommencer l'ouvrir porte yo c'est vrai mais pour qui catégorie ti moun dans qui zone secrétaire général UPEP là Léo Litolu qui dénonçait phénomène inégalité ya cap continuer dans réouverture classe yo mandé pour autorité yo dans la police là prend toutes dispositions nécessaires pour désarmer zones défavorisées yo. Yo manière pour permettre si moun kap vive nan quartier choyo retourner l'école. Pour la police responsabilité pour rentrer en dedans, pour bannir un ultimatum ou bien remettre sa mio, ou bien l'état rentrer des amis d'agio. Parce que jusqu'à présent, si nous prenons grand ravine, pas de timoun encore, l'école pas fonctionner. Dans le village là, l'école pas fonctionner. Jean 23 pas fonctionner. Et c'est une grosse école Jean 23 ou l'école nationale. C'était pour pas fonctionner. Qui ont un grand centre professionnel. Parce que moun n'ont pas qu'à rentrer. Élèves et étudiants pas qu'à rentrer. Direction l'école abandonnée. TD pas fonctionner, non? Théâtre national pas fonctionner. Toute école dans le périmètre ça pas fonctionner. L'école Matisse pas fonctionner. Et là, non, t'as fou, t'es gagné l'école qui commence à fonctionner. N'est-ce pas fait pression sur vous, vous obligez de faire mes potes. Gerline Morestin, Caraïbe FM. Ministre éducation nationale la formation professionnelle la Pierre Josia Génor Cadès était gain entente qui joigne sans perdre du temps parents et directeur l'école yo cap exiger les vieux payés moi yo pas de travail yo Pierre Josia Génor Cadès qui quoi syndicat parents yo ta doué fourrer bouche dans dossier ça pour trouver une plus bonne formule faire appel là à conscience directeur l'école yo ministre Cadès rappelé yo était déjà metté dehors un circulaire pour éviter conflit entre parents et directeur l'école yo. Pierre Josué Agénor Cadès, ministre éducation nationale, Itenamiko, Regina Rémy. Ça vient bien des semaines, et moi, nous tous qui là comme journalistes, notre plate a joint nous. Côté ministère, tu déjà fait paraître aussi qu'il est pour le débat en mise en garde à l'école, yo, pour être capable d'éviter tout conflit entre parents et élèves. Nous avons parlé de question de conscience. Non, si qu'il est ça, qui ça nous dit? Nous te dit l'école, yo, qui pas fourni aucun service. Il n'y a pas qu'à bonner par l'argent. Nous conscients tout. Il y a de l'école qui fournit service, même les timons n'ont pas de présent, pas de classe en présence, mais qui travaillent en ligne avec timons. Si nous faisons devoir, il y a ça même tout récemment, il y a une grande proposition. Donc là, vous comprenez, il y a un service qui fournit. Mais en l'école, vous n'avez jamais ouvert même pour tout, vous n'avez pas de faire rien avec timons, vous n'avez pas qu'à bonner toucher, vous n'avez pas qu'à bonner pour payer septembre, octobre, novembre, vous n'avez pas qu'à bonner. Donc nous devons ce qu'il est pour ça. Cependant, on est, bah, ça, nous parlons, nous parlons la justice, nous-mêmes. Mais nous sommes capables de conseiller
parents, parce que maintenant, dans des noms l'école dans la capitale là, un pile parents qui a manifesté, qui a dit l'école là, qui va composer en décembre là, il m'a dit pour opérer. Vous n'avez pas payé une première tranche pour septembre, octobre, novembre, qu'on a demandé pour payer une deuxième tranche pour composer. Alors ce que si vous ne pouvez pas jouer l'école, nous comprenons ça. Mais nous t'avons conseillé plutôt, tant qu'on a fait bruit dans la rue avec l'école, il faut qu'on entende. Associé à son parent, l'école, il faut qu'on forme un comité parent, qu'on rencontre la direction de l'école pour entendre la mieux. Mais il faut que la direction de l'école tout pour éviter le conflit ça. Parce que si tout le monde est à Cali, septembre, octobre, novembre, il n'a jamais fait rien, ou pas jamais fait rien pour lui, ou pas demander pour lui. Moi-même personnellement, en tant que professeur jusqu'à présent, je fais seulement 4 cours de septembre l'école ouverte là. Et je ne suis jamais dans l'école là. Et bien, 19 novembre dernier, l'école a reprendre l'activité, la continue l'activité, et bien, je vais pas faire cours, et tout récemment, je vais mettre 3 mois, je vais mettre 3 mois, septembre, octobre, novembre. Mais l'école, ça me fait pour la donner tout, sur l'école qui était pour service, qui était fourni, même là, tu veux être présent dans sa deux classes, l'idée de travailler en ligne avec Timounio, et bien que ça a des limites par le tout. Mais bon, c'est des Timoun, nous connaissons bien dans la société, nous y a là, dans le pays du Sud, bon, c'est des Timoun qui n'ont pas même chance ça pour le travail en ligne, non. Parce que travail les normes n'ont pas quatre bagages, n'ont pas quatre moyens que tout le monde n'a pas. Et j'ai quelques écoles tout me visiter dans ce même ça qui prend tout le monde ça en considération. Tout ça qui pas capable bénéficier de travail en ligne ça, ils ont fait bagage spécial pour eux. Voilà, t'as pas écouté, ministre de l'Éducation nationale, là, Pierre Josué Agenor Cadet. Donc, ils ont entente, hein, c'est ça, ministre, proposé qui pour t'ajoindre entre parents, yo. Puisque là, ils mélangent tout professeur, yo. Parce que c'est vrai, il y a des professeurs qui partent le travail, mais qui, ils doivent à distance, en tout cas, travaillent avec, Simon Yo dans vos devoirs. Gagnent tout qui, pas de fond, rien. Bon, est-ce que c'est pas, gagnant? Et qui pour ta fête là pour permettre que pas gagner trop parler en pilote direction l'école yo ak élève yo puisque il y a professeur quand même qui a besoin toucher ou bien qui travaille pour toucher gagner des personnels l'école là qui yo même attend petit chèque yo tout et gagne parents yo qui yo même qui te kembe ti moun yo la caillou soit c'est yo qui t'a travaille avec lui ou bien qui te recevoir devoir de l'école yo. Donc c'est dossier qui est complexe et qui est demandé compréhension dans plusieurs niveaux, bon côté plusieurs acteurs pour ne pas gagner trop parler en pile sur question ça. Bureau secrétaire d'État pour intégration monde handicapé au grâce à financement Fonds national éducation remet ailleurs bah, 9 organisations et établissements qui a pas travaillé avec monde handicapé un chèque subvention association foyer d'amour société haïtienne aide pour aveugles chaque association handicapé Kafouyo sinon quelques parmi organisations et établissements qui recevront chèque subvention ça dans cadre rentrée classio responsable ensemble association qui recevront subvention. S'il a applaudi l'initiative là, Gerline Mauristin. Savant yo di, éducation c'est pilier développement en société. C'est même philosophie ça, secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo, choisi pour utiliser comme clé pour faciliter inclusion moun kap viv ak yon handicap dans société haïtienne nan. C'est dans sens ça, BCF décide subventionner yon groupe organisation ak établissement kap travay ak moun handicapé. Axi pour Fonds national éducation, environ 9 établissements dans le secteur A recevoient un chèque subvention qui pral servi pour supporter études jeunes actimoun handicapé yo. Plus gros financement, c'est 300 000 gourdes. C'est une petite subvention qui l'a pour en majorité accompagner directement de séries bénéficiaires handicapés ou bien des élèves qui viennent par un yo qui est handicapé. Et les subventions tout, c'est pour accompagner une série de centres spécialisés qui travaillent avec mon handicapé, comme pour, par exemple, le centre d'éducation spéciale en charité, mais qui a des difficultés. Donc, pour assurer que l'école ça ou pas fermé, pour assurer que yo continuer bas service à population, nous obligés bas anti support pour permettre aux capables québé pendant y a chercher l'autre source de financement toujours. Fonds national éducation financier projet subvention ça a un montant plus passé 2 millions goud. Yon don qui inscrit dans cadre article 27 loi qui créait FNEA qui côté l'agence a sorti directeur général FNEA Joseph Franz Nicolas
a expliqué. Moun ki nan diaspora yo ki contribue en pile avec dollar 50 nan, 5 centimes nan pour que activité ça que nous capable faire yo. Et n'a remercier moun ki en Haïti tout qui a contribué dans dollar 50 nan tout qui a voué comme à l'étranger qui permettent que activité ça que je dis à nous ka faire yo. C'est bien malheureux que nous pas gagner assez ressources pour permettre que nous faire plus que ça. C'est ça qui fait que c'est montant ça seulement nous te ka allouer à secrétaire d'état Oriol pour te capable faire activité ça que li gagne yo. Responsable diverses organisations qui bénéficient chaque subvention ça salier initiative ça yon don qui selon ça yo dit pour elle permettre yo progresser dans bataille pour faire respecter droit moun handicapé yo. Chaque fois gen possibilité pour plus de moun handicapé gen accès à l'éducation, chaque fois gen possibilité pour plus jeunes femmes et jeunes garçons qui vivent avec handicap gen moyen pour elle entrer dans l'école professionnelle, entrer dans l'université, c'est permettre, n'a permettre que l'inclusion, ça que n'a pas l'air là, vraiment revenir au réussite total capital. Nous connaissons un petit monde handicapé, son petit monde toujours pensé à lui-même après, en fait, et que ça va permettre que le petit monde, il retourne à l'école, et puis il est capable de boucler à l'école là. Et ça va renforcer son plan pour être capable de jouer une possibilité, pour être capable, en fait, de rémunérer professionnel. 9 organisations et établissements qui recevront chèque journée 11 décembre, fait partie premier groupe qui subventionné puisque bureau secrétaire d'état pour intégration moun handicapé yo comptait supporter plus association dans secteur ya dans quatre bataille pour faciliter inclusion moun handicapé yo dans société haïtienne nan. Guerline Morestin, Caraïbe FM. Mais c'est pile Guerline Morestin pendant nous dans éducation en toile dans et blocus qui dans la rue et qui ça la police a fait tout hein et est-ce que la police est mobilisée pour permettre que ils reprennent contrôle des quartiers des zones côté machine pas qu'à passer c'est ça qui occasionné blocus là avant d'aller parler de l'autre sujet avec porte-parole là commissaire Michel Ange Lejeune sous arrestation citoyen canadien ça dans airport là question fonds parisien qui vient pour la contrebande et puis situation de madame policier qui a plaint parce que gagné les chèques yo pas souvent joindre yo coupé chèque yo tout de suite après Mario fait de mourir voilà avec porte-parole la police là tout dispositif qui lié à fête de fin d'année yo, puisque la police là à chaque fois nous en fête fin d'année yo gagné de nouvelles mesures de sécurité yo annoncé donc avec porte-parole là qui avec nous nous parlons tout ça commissaire Lejeune bonjour. Hello. Et guerrier, moi salue au FAP, moi salue au auditrice avec auditeur Radio Caraïbe. Et bonjour, c'est un plaisir. Il y a Winel Guerrier pour me répondre à la question. On commence avec Blocus Lens. C'est un constat. Il y a une parler avec responsable de circulation qui t'a expliqué en gros ça qui est la cause, puisque il y a des zones que machines pas qu'à passer. Donc ça qui fait toute machine presque fait zone zone nason. Et Delma 2 était mon pas vraiment passé là, Delma 18 c'est pareil et même gens pour sur des autres zones en dedans pays encore que machine pas passer ou bien pour passer là faut passer à toute vitesse. Donc nous au niveau la police là qui là pour mettre l'ordre qui ça qu'a fait pour permettre que situation retourne dans normalité dans zone ça surtout. D'accord. Certainement nous connaissons une période de fin d'année et qui c'est une période qui a attiré la grande foule et côté tout secteur d'activité et bien yo en marche et nous soutenons plusieurs voies autorisées et qui expliquaient phénomène embouteillage là et qui ça qui fait les certainement nous reconnaître et nous tendez le dos gain des monde et qui peur pour sécurité personnelle yo et pour sécurité proche yo et dans des zones spécifiques des zones que imaginer collectif là les zones de non droit ou bien y aurait plusieurs qualités de non yo bayo et la police là l'a multiplié et moyenné l'a multiplié présence unité et spécialisée dans zone ça yo pour permettre que moun yo capable gagner accès et à zone ça yo mais tout. Et nous tendez, il y a l'autre facteur tout qui t'a concouru à problème embouteillage, ça, c'est détritus, c'est fatras, c'est la boue. Et nous connaissons l'autre et acteur et dans le secteur public là qui concerné par la question ça. Donc, une question tout pour l'autre acteur, yo prend responsabilité dans ce sens ça, pour décongestionner route et de ensemble de détritus et de ensemble de trous
et que route ça route a gagné pour faciliter usager motorisé et pour capable d'accès à route ça. Donc j'aime dire là fin d'année a c'est une période et côté tout chef de juridiction gagne un plan d'action yo et des mesures de prévention et pour permettre que tout le monde rive paquet activité yo et dans niveau commandement et instruction a clairement passé et à travers plan de sécurité et que vous mettez en place pour fin d'année a et pour permettre que monde capable faire va-et-vient et en dans pays a et surtout et encourager monde qui a sorti et l'autre côté qui a venir dans pays a pour qu'il vienne rester mieux et passer une bonne fête de fin d'année. Parole sous cause blocus là, mais ça pique un bien, c'est question insécurité là, et vous dit pour question circulation, il y a plusieurs acteurs qui sont capables d'intervenir, mais pour ça qui est pour être sécurité là, insécurité là, qui c'est une cause situation ça, qui ça la police qui a dit concrètement, qui le à peu près, comme ça, monde capable de commencer à passer que c'est Delma 2, Delma 18 et sous-bicentenaire. Même si nous pas qu'à dire totalement toute zone ça yo mon rive fréquenté yo à toute heure, mais ça va le dire que la police pas présente dans zone ça yo et que pas gen moun qui fréquenté yo. C'est vrai que nous reconnaître que zone ça yo y a une spécificité yo et parce que chiffre là pour témoigner et moun qui victime dans zone ça yo et combien moun que la police tout est arrêté et avec armes avec munitions et qui gen pouvoir et avec gens de zone ça yo, mais n'a multiplié comme là et moyen et matériel que la police la gagne à la disposition li renforcer présence et différentes unités et spécialisées yo dans zone ça yo et pour que moun yo capable rive paquet activité dans meilleur condition de sécurité, même si ça me saute là Pierre Wenel et nous connaît question électricité et son question qui est important et la question sécurité et surtout à la tombée de la nuit qui ca permettre que policiers yo tout yo même yo fait travail yo pi bien et nous connaît route défoncée yo et montagne de détritus qui gagne dans intersection yo et tout ça yo c'est des circonstances et qui concourir à problème d'insécurité hein. Donc il est question que tout acteur ça yo travaille et la police bon côté parle bien sûr et j'aime dire là la multiplier et folie et pour permettre que la population arrive à vaquer à l'activité. Mais il y a une question au village de Dieu qui a longtemps dans l'actualité, là, qui monsieur qui bien contrôle zone boulevard bicentenaire, qui fait que c'est l'heure où vous voulez vous passer dans zone ça. Bon, écoutez, la police travaille sur les 10 départements géographiques du pays. Et nous, même si nous reconnaissons des zones et qui ont une particularité, mais nous reconnaissons tout le phénomène et entrer dans un espace ou bien dans une société, ou pas qu'à lever d'un bon matin et puis on dit que bon, on arrive à bout phénomène ça. Et nous travaillons et au fur et à mesure, et il y a des arrestations que nous arrivons à faire et nous présenter à l'opinion publique là des armes et des guerres qui n'amènent certains bandits que nous arrivons interpeller, arrêter et conduire pas devant autorité de justice. Et même si nous gagnons un pile qui était pour nous faire toujours, et bien c'est travail pour nous travail. Et nous demandons l'autre acteur qui n'a coproduction chaîne sécurité en d'un pays pour porter appui à la police. Et nous surtout aussi demander appui population pour nous capables de arriver travail, pour nous arriver combler attente population guerrier. Sur route Gantia Koulia, qui ça a fait et la police te font dernière intervention, mais en dépit d'intervention ça, moun nan zone di yo gen difficulté pour yo louvrir business yo. Et depuis quelques temps, on a assisté dans zone fond parisien et dans zone Tomazo, et tant qu'on s'arrive dans paquet l'autre zone en d'un pays, et des croyés de criminels et qui prend le large, qui circulé et avec des armes. Et qui livre yo à des activités de contrebande, plus précisément du côté de la Casuei dans le fond parisien. Et plusieurs interventions que l'unité de CPJ fait déjà, et dans la zone Tomazo, côté gain des groupes, et qui va être au nom des 400 Marouzo. Et la police est arrivée, fait des interpellations, et saisit des armes et des munitions. Et samedi 7 décembre, là, qui s'est passé, dans une intervention
que la police te fait côté gagne un bandit qui gagne un groupe un bandit du nom de Jovel Louis et qui gagne un groupe que l'a dirigé côté livré à des activités de contrebande et yo spécialisé dans question assassinat yo gagne des espaces côté recevoir des marchandises et dans contrebande qui sorti dans République voisine là et il y a des machines yo confisqué il y a des machines marchandises yo fait piller donc la police est intervenue. C'est comme ça qu'il était procédé à l'arrestation Jovel Louis et qui était chef gang ça avec Elson Jean et Joseph Renaud, Ronel Paul, Rosemont Laurius, Élisée Lormeus et Schneider Morancy. C'est au total 7 monde que la police est arrivée à arrêter et Montaio était en possession yo un fusil 12 et yon T65. Donc la police a arrêté Mounsayo et a enquêté, continué enquête là pour permettre que les traîner Mounsayo par devant autorité de justice. Yo. C'est vrai que nous reconnaissons le phénomène dans la prend le large, mais autant que la prend le large, autant tout que la police lui-même et la travaille et la fait des arrestations, la conduit par devant autorité de justice et nous demander encore appui population hein, pour nous capables arriver. Et non pas dit, parce que là, toujours difficile pour nous dire définitivement, nous éradiquer le phénomène, non, pas toujours évident. Et c'est dans toute société pour y pour nous éradiquer un phénomène et aussi qui est multidimensionnel qu'est la criminalité, mais quand même, notre travail est pour nous capables de arriver combler attente population. Et c'est comme ça, guerrier, sous permettre-moi que hier, unité de CPJO, et puisque c'est tout partout que la police là à présent, même si nous connaît effectif là vraiment et Jean Lia et quantité pour nous gagner dans même espace nous pas toujours arriver gagner yo maintenant aéroport international de Saint-Louverture hier et 11 décembre là et la police rivait interpeller Richard Joseph Lévesque né le 24 août 1965 qui était un citoyen canadien. Et il était sorti Canada à bord d'un vol Air Transat et de numéro TS et 664. Monsieur ça, c'est un monde qui fait partie d'un gang au Canada, un gang motorisé et qui a un nom Hells Angels. Et monsieur Sayo, ou bien monsieur Damzayo, il est spécialisé dans le trafic illicite de la drogue, assassinat spectaculaire. C'est des assassinats qui ont réalisé en pleine rue et des raquettes de toutes sortes. Mais ce qui est important dans tout ça, et Pierre Winel et Guerrier Dussel, et c'est que niveau de dangerosité gang ça, il y a plusieurs pays qui ferment frontières et à M. Sayo. Et parce qu'il a cherché à établir dans l'autre frontière. Et il y a plusieurs pays qui ont déjà établi la donne, notamment en République voisine, en République dominicaine, côté où ils ont établi. Et yo bay tête yon l'autre nom mais c'est toujours même gang ça Hells Angels et c'est comme ça et pour yo capable mieux contrôler et trafic et international là ou du moins criminalité transnationale là yo besoin tout établi en Haïti pour yo capable contrôler et activité yo à travers deux républiques voisines ça yo et c'est dans ce sens ça que monsieur Richard Joseph Lévesque citoyen canadien ça est arrivé rentré en Haïti hier et la police t'est interpellé et yo gardé dans limite aéroport en attendant que yo réembarque vers le Canada. Voilà, c'est très bien. Un autre sujet pour nous finir rapidement puisque nous avons gagné de l'autre rendez-vous en parler couliant de situation ça qui est toujours préoccupé en pile parents, madame, petite de policiers qui même lorsque ont mouri dans le cadre de travail yo a plaigné le fait que chèque yo coupé tout de suite après et que même lorsque policier ça a quitté tout le monde qui a moins passé 18 l'année donc une difficulté pour continuer prendre soin yo. Donc nous au niveau direction générale la police là est-ce que nous touchons de préoccupation ça de situation groupe moun sa yo qui c'est victime madame victime policier ou bien mari victime policier tout puisque nous connaissons des policiers qui connaissent tomber. Merci pour possibilité ou ben moi pour m'éclaircir sur ça du seul et parce que son problème qui récurrent. Nous toujours entendu des policiers, parents policiers, à parler de problèmes ça. Comme quoi, c'est la police là
et c'est institution la police là qui t'a coupé chaque policier qui est tombé dans exercice fonction yo. La police là est du seul fait partie de fonction publique là. Ça veut dire que chaque policier yo gen statut et fonctionnaire public même genre tout l'autre monde qui dans fonction publique là. Et maintenant qui ça règlement, qui ça loi fonction publique là dit, loi fonction publique là dit yo pas émettre chèque dans nom monde qui mouri. Et c'est pas policier seulement yo pas yo couper chèque yo là yo mouri, c'est quel que soit monde, quel que soit fonctionnaire public là, s'il mouri, même côté il fin mouri à mois prochain yo tout couper chèque lui. Et ben policier yo tout yo victime de même situation ça yo tout là yo décédé. Cependant, direction la police là li joine quand même yon possibilité avec ministère finance côté yo joine des allocations, côté yo joine des allocations nan non ayant droit policier yo qui décédé yo. M'a parlé de madame policier yo, m'a parlé de famille policier yo qui gen tout moun. Donc yo joine des allocations que yo émet à l'endroit des ayant droit du policier décédé. Et m'a rappelé et guerrier du seul et pour mois de novembre ça là, c'est 204 chèques que yo sont émettre pour une valeur de 1,596 goudes et que la police là sont remettre de concert bien sûr avec ministère finance à ayant droit policier ça yo. Et côté ma parole voilà là, il y a 36 chèques qui étaient dans service la police là que ayant droit yo, yo poko vin réclamer et c'est un son moment moi tout annoncé yo que pour yo même qui poko toucher et subvention ça yo pour yo monter parce que jusqu'à présent là nous avons 36 chèques que nous pouvons joindre. Ma punition caprici et du seul c'est cas inspecteur de police Gentilus Jocelyn. Nous songez le 20 octobre dernier qui était après mourir et portail Yogan et côté il était assassiné. N'attendez un voicemail et sur réseaux sociaux côté madame ni et Gentilus Samuel Laclaire Sidor. Bon, et sorti yon note côté la protester, montrer que la police pas prend responsabilité, etc., etc. Bon, heureusement, et commandement la police là, et service qui concerné dans la police là, et bien chance chita avec lui, et pour expliquer le procédure là, et qui s'allie. Donc, heureusement, la cap venait en dénouement à la situation parle. Mais nous annoncer que, à tout le monde, tout parent policier, madame policier, mari policière, qui t'a victime dans situation n'a parlé là yo loi sous fonction publique là immédiatement fonctionnaire public là li tombé li mouri donc immédiatement loi dit yo pas émettre chèque dans non moun qui mouri mais quand même yo toujours et joindre un espace côté joindre en subvention pour ayant droit yo capable joindre et pour progéniture policier ça qui tombé a yo joindre assistant jusqu'à l'âge de 18 ans guerrier du seul. Oui normalement jusqu'à quel âge aujourd'hui jusqu'à 18 ans jusqu'à l'âge majeur. Non mais bon peut-être le cas difficile là matin en interview ça pour demander mon qui procédure est-ce que bon service en dedans inspection en direction générale là avec parents en policier par exemple qui gagne mari et mouri comment qui côté pour aller exactement. Bon la monter dans direction générale là d'abord la présence service personnel là et qui concerné pas ça qui concerné pas personnel la police là et puis il y a engagé procédure là avec elle. Et si le ministère finance gagne en soutien chèque li la vienne chèque li dans service comptabilité PNH là donc mon yo parfois yo pas aller dans service qui concerné yo mais seulement rete y a répété bagay yo tant de moun qu'on a dit alors que service yo là yo pas utiliser service yo. Très bien. Et est-ce que l'on parle de un droit, il est possible pour, par exemple, un maman qui a une petite fille qui mourit, qui est dans la police, bénéficier de chèque sato ou bien c'est seulement madame et petite? Et service qui concerne pas ça, a expliqué maintenant gamme de procédure là. Et là, il dit ayant droit, bon, certainement, ayant droit, pas gain ça, même là, on a qui moun yo étant ni, mais généralement, et puisque police yo, et c'est des monde qui toujours gain madame yo qui toujours gain mari yo les policières et qui toujours gain petit yo donc mais l'important c'est que le service concerné est là et une fois yo identifié moun ça comme yon ayant droit et ben d'accord la capable bénéficier de tout avantage
et que les policiers qui décédaient ou bien ayant droit à lui-même il est capable de bénéficier que la police là permette de bénéficier. Nous avons des petits plaintes, c'est bon côté à Jean BLTS, sur bon question de prime, soit environ 6 mois que on va connaître une touche de ça. Depuis semaine dernière, moi je crois que sous leadership administration hein, et il y a des démarches qui étaient engagées et qu'il y a des primes de risque et qui étaient déjà disponibles. Et côté ma parole là, moi pas qu'on est seconde unité qui peut bénéficier de ça. Et mais toujours est dit qu'on a gagné des primes de risque qui étaient déjà disponibles depuis semaine dernière. Le porte-parole et parce que nous avons l'autre rendez-vous n'a quitté aller pour nous capable prendre l'autre dossier et oui sénateur se rappelle nous avons un protocole entre primature DGPNH là qui finance c'était sous gouvernement Lafontaine pour être capable de régler question ça. Merci à Pierre le porte-parole. Merci et bonne journée. Voilà Michel-Ange Louis Jeune c'est commissaire qui était ensemble avec nous en direct ce matin pour te parler de plusieurs sujets yon la dan yo c'est arrestation chef gang canadien ça qui le même tabat pour le rentrer dans le pays a arrêté depuis l'aéroport parler tout des dossiers fonds parisiens question contrebande et policiers ça inspecteur Jean-Télis Jocelyn qui était mort dans Porta Elogan 20 octobre passé hein, donc madame Ni qui était fait une note la sur réseau yo et dossier à pas traité dans direction générale PNH là et de l'autre sujet comme pour explication sur question blocus là avec une série de zones que monde pas capable monde peut passer donc la police l'islam dit il y a pas travail pour que yo capable mettre la paix dans zone ça yo. Après retourner dans journal avec question ça sur route pour créer un tribunal populaire en Haïti capable pour pencher sur différents actes trop onusiennio commettre dans pays en sorti l'année 2004 pour vivre journée aujourd'hui dans ça il y a un engagement qui prend fin un colloque international qui déroulé dans pays d'Haïti sorti 5 pour 10 décembre sous initiative bureau avocat international UBAI PAPDA avec Molegaf c'était occasion pour plus c'est une vingtaine de représentants d'organisations dans la région Caraïbes, dans l'Amérique latine. Et puis, il y a une centaine d'organisations locales qui discutent et puis réfléchissent sur différents thèmes de coopération, souveraineté et solidarité. On écoute, il y a une après l'autre, Dominique Ressin, c'est ça, pour Molégaf, Camille Chalmers, Pabda, Yote la micro, Johnny Ferdinand. Et bien, l'occupation continue avec MINUSTA, 1er juin. 2004, quand vous débarquez sur le bout de terre papa nation, vous faites viol, vous faites vol, vous faites cadijac, vous faites massacre. Et ne pas oublier Johnny Jean, qui sont jeunes dans le sud, côté ministère, vous faites cadijac sur lui. Vous faites cadijac ni sous tes filles, ni sous tes garçons. Quand vous quittez un paquet de monde sans papa dans le pays, qui pas qu'à l'école, qui pas qu'à côté pour dormir, qui pas qu'à manger, qui vit dans la misère, dans la marasse économique, et bien le tribunal populaire, quand vous avez un dossier, pour tout le monde, ça capable de jouer un bon genre d'accompagnement, pour capable de jouer un bon genre de dédommagement, pour continuer à vivre dans la dignité. Nous pas oublier tout, massacre ministre a fait dans la Cité Soleil. Nous pas oublier, massacre qui a fait dans le Fonds National, que tu as assassiné, plus passé 14 jeunes. Et bien tout ça, yo, c'est victime d'occupation, dans la période 2004-2005. Et yo poté maladie choléra. Mais pas seulement maladie choléra. Parce que la ministre a violé les jeunes filles, yo pas aussi d'atout, qui a pas de gagner. Et bien, faut que jeune ça, yo, capable de justice, parce que pas de gens sida. Même j'en tout, en pile paysan, en pile dans nous qui vivons dans le quartier populaire, nous victimes de choléra que nous pas de gagner. Mais, après bataille ça, il n'y a pas de bataille classe, parce que ministère, c'est nous-mêmes malheureux, nous-mêmes petits paysans, nous-mêmes ouvriers, nous-mêmes qui vivons dans le quartier populaire, qui t'es déjà vivre dans la cité, mais c'est nous qui victimes de maladies ça. N'a pas de partenaire espace bourgeoisie, c'est pas bourgeois, yo, mais c'est nous-mêmes qui t'es déjà vivre dans conditions mal. Non, vulnérabilité, c'est nous qui victimes. Nous saluons évidemment l'organisation victime qui était présente et qui était une forte délégation qui était participé dans la marche que nous avons fait sortir ville menée, rivée dans Fanny Villa. Et nous avons dit tout que le colloque a abouti à un ensemble d'engagement. Nous avons souligné que tu as gagné une représentation au niveau international de très grande qualité, non seulement par la qualité de militants et de niveau de détermination organisation qui était présente, mais tout par le fait que tout militant ça, c'est des militants qui retrouvaient la même ligne de travail que BAI, Molégaf et PAPDA définir, qui sont une ligne anti-impérialiste, qui sont une ligne anti-capitaliste.
socialiste qui sont une ligne anti-néolibérale et une ligne côté que nous besoin transformer société haïtienne de façon radicale. Et tout intervenant étranger, il était pratiquement souligné importance pour être présent en Haïti. En pile, c'est la première fois qu'il était en Haïti. Et il a tout salué rôle décisif que Haïti jouait dans l'histoire de l'humanité, rôle décisif que la révolution haïtienne a joué dans l'histoire des émancipations en général. Et que Haïti était un symbole, Haïti était une référence. Et si nous sérieux, nous disons que nous construire l'autre monde ou l'autre planète, il est évident que nous ne pouvons pas construire l'autre monde et l'autre planète ça sans Haïti. Donc, il prend engagement pour que non seulement il parle de problème que Haïti gagne, que fait connaître qui problème que Haïti gagne, que fait connaître qui bataille que peuple Haïti a mené pour sortir dans l'invisibilité que impose non, mais il engage concrètement pour être présent dans différentes batailles que nous pouvons définir à partir du colloque et dans le cadre mobilisation que nous avons habitué fait. Donc, c'est extrêmement important pour nous que Colloque-là aboutit à un ensemble d'engagements concrets. Je ne vais pas vous signaler là, parce que ça n'a pas trop de temps. Mais par exemple, il y a des engagements par rapport à approfondir recherche sur question choléra, approfondir recherche sur question femme qui victime exaction ministre, approfondir recherche par rapport à différents décisions stratégiques qui étaient configuré ministère et il y a des engagements qui prend côté que tout participant étranger souligne que notre tribunal que le parlement est campé non seulement n'a pas accusé Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies comme le principal responsable massacre qui fait sur Haïtien, mais tout gouvernement qui t'a fourni des troupes, parce qu'il y a des moments côté que des 39 pays qui t'a fourni des troupes à la ministère, mais il y a des gouvernements qui t'a fourni principal contingent d'après Argentine, d'après Chili, d'après Uruguay, d'après Guatemala, d'après Brésil, qui t'a fourni essentiel contingent, pas qu'à fournir 1000, 1200 soldats dans une mission Nations Unies, qui fait toute exaction ça, qui fait toute destruction ça, et puis après ça, on vire d'eau ou lave les mains comme si pas de gagner avec les passés.